Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de calcul formel XCAS pour le calcul différentiel des fonctions à plusieurs variables. Donc la dérivation des fonctions à plusieurs variables. Alors, je vais prendre une fonction à trois variables. Donc une fonction f de x, y, z de R3 à valeur dans R3. Donc je vais prendre la fonction suivante, x au cube plus y au cube plus z au cube plus 3 multiplié par x au carré multiplié par y multiplié par z. Voilà, comme ceci, et son expression simplifiée. Qui est la suivante. Bon, et bien maintenant je vais calculer les dérivées partielles. Alors, en utilisant la commande diff, je vais pouvoir dériver par rapport à chacune des variables. D'abord, je vais dériver par rapport à la variable x. On obtient donc la dérivée de x3, 3x carré, et la dérivée de 3x carré yz qui devient donc 6, 3 fois 2, xyz. Maintenant, je vais dériver par rapport à la variable y. Eh bien, j'obtiens la dérivée par rapport à la variable y. Hein. Donc, la dérivée de dx vaudra 0, puisque on dérive par rapport à y. Donc, ici, il reste 3x carré z, et ici, 3y carré. Et maintenant, je dérive par rapport à la variable z. Et de la même manière, ici, j'obtiens 3x carré y, et ici, 3z2. Maintenant, si je veux obtenir le gradient, c'est-à-dire le vecteur dont les composantes sont les différentes dérivées partielles que l'on vient de calculer. On peut le faire en un coup, en tapant la commande donc diff, et en prenant comme deuxième argument, cette fois, un triplet. Le triplet xyz. Et là, on obtient le vecteur constitué des différentes dérivées partielles, c'est-à-dire le gradient. Maintenant, si on veut dériver à l'ordre 2, eh bien, si on veut dériver à l'ordre 2, il faut indiquer après la variable de dérivation. Donc, par exemple, ici, je vais dériver par rapport à la variable x avec le symbole dollar, le nombre de dérivations que l'on souhaite faire. Donc ici, par exemple, je veux dériver à l'ordre 2. Donc on voit que c'est la même chose que de dériver une nouvelle fois la fonction dérivée première. En effet, si je dérive cette fonction-là par rapport à la variable x, j'obtiens bien 6x, et ici, j'obtiens bien 6yz. Et on peut faire, évidemment, la même chose avec chacune des variables. Et en fait, vous pouvez dériver à l'ordre souhaité en indiquant simplement l'ordre de dérivation ici. Donc si je dérive par rapport à la variable z à l'ordre 3, j'obtiendrai 6. Voilà. Vous savez maintenant dériver les fonctions à plusieurs variables. Et aussi, si vous voulez faire les dérivées croisées. Donc c'est-à-dire, par exemple, dériver par rapport à x puis par rapport à y. Eh bien, il suffit de séparer par une virgule. Et on peut également faire des dérivées croisées aux ordres supérieurs. C'est-à-dire, je peux dériver à l'ordre 1 pour x et à l'ordre 2 pour y. Je peux également dériver à l'ordre 2 pour x et à l'ordre 2 pour y. Et ainsi de suite, vous savez comment fonctionne l'opérateur de dérivation des fonctions à plusieurs variables avec XCAS.